La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te... remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Alors? Pas mal, hein? On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ce pour quoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. L'ascenseur, par ici. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y'a pas marqué ligne de l'amitié, là. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Oh, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. Anne, c'est toi? Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V?
Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprosétatech de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Elle est où, notre cible? Putain de bordel de merde. Merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Elle est dans une baignoire remplie de glace. Il y a un autre corps aussi, putain. On dirait des morceaux de viande. Garde ton calme, V. Si elle s'en sort, elle se souviendra de rien. Son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Paraît que les gens qui survivent à ce genre de trucs font des crises de panique. Sans savoir pourquoi. Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup, leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carraro, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe.
Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. C'est pas un peu risqué? On peut pas se contenter de la sortir de là? Elle respire encore, mais il nous faut son biomoniteur pour détecter des hémorragies éventuelles et le reste. Alors regarde s'il y a un éclat et retire-le. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. C'est pas ce qui nous attend dehors. Je suis pas rêvé. Vas-y. Oh merde! Elle fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape-le! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Voilà, sors-la d'ici! La terrasse! Atterrissage! Dégagé! Lancement du protocole de sécurité! Suivez les instructions! Arrêtez-vous à la porte! Contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Bon boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais... je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako, lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Thank you.
Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce qu'on dit ? Jackie, ils vont boucler Watson, tu te souviens ? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano ou... Ah merde, je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. J'ai une grado. J'aime pas ça du tout. T'es des hommes ! Bande d'enculés ! Putain, Jackie, roule ! Allez, mais tire ! J'essaye, arrête de zigzaguer ! Mierda, perdón. Vous avez eu les connards. Hé, vise le conducteur. Chingalo. Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Chinga la madre! Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cul. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire... un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, voyez? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Tu lui as fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qu'il a prise aux tripes. C'est ça. Je suis ultra loyal. Stable en amour. Et modeste en plus. Tu me connais. Descends de ta caisse, allez! Allez! On a pas toute la journée! Oh merde! Regarde ça, mais... il y a du spectacle. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la Magstack. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Magstack se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Chez toi. Et toi alors? Il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer.
T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Faites beau rêve. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. Ah, il wego. Des scientifiques de BioDial Systems ont annoncé une percée dans la lutte contre la sclérose en plaques. La SEP est l'une des rares maladies que l'on ne peut pas traiter en remplaçant les tissus affectés. Bonsoir, Night City. Mon premier invité ce soir est le président de l'église d'Elia. J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission Chipin, qui promeut l'utilisation d'un plan cybernétique. Comment ça va la vie, ma jolie? J'ai pas peur, Ziggy. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'implant le plus... Ça doit être un genre d'arnaque. Va voir, je vais lui dire deux mots au concierge, moi.